Merci d'écouter l'Office de radio et télévision du Mali. Il est 7h à Bamako. Le journal. Oumar Moussa Traoré. Mercredi 6 décembre 2023, bonjour et bienvenue. Ciel dégagé sur Bamako où le mercure ne devrait pas descendre sous la barre des 18 degrés affichés en ce moment pour une maximale de 37 degrés au cours de la journée. À la une de l'actualité de ce matin, plus de 117 milliards de francs CFA, c'est le montant octroyé par le Fonds mondial au Mali pour lutter contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme et la mise en place de systèmes résistants pour la santé pour la période 2023-2025. L'annonce a été faite hier à l'ouverture de l'atelier de planification opérationnelle des activités. La chronique de l'environnement dans le rendez-vous du mercredi à Guibou-Coulibaly s'intéresse aujourd'hui en rediffusion à l'impact des déchets plastiques sur notre santé et notre environnement. Enfin, en sport football, les Aigles d'Âme ont obtenu hier leur qualification à la CAN en battant la Guinée-Conakry 3 buts à 0 lors du match retour du dernier tour des éliminatoires de cette compétition. Les nôtres l'avaient déjà emporté à l'aller 7 buts à 2. Et puis, nous évoquerons le championnat national de première division avec la 7e journée qui se poursuit aujourd'hui. Radio Matina sera là pour développer cette actualité sportive. Voilà pour le sommaire. Nous ouvrons cette édition par ces communiqués conjoints du Mali et du Niger. Il est relatif à la dénonciation de deux conventions qui les lient à la France. Il est lu par Seydou Foma. Conjoint numéro 001 de la République du Mali et de la République du Niger. Les gouvernements de transition de la République du Mali et de la République du Niger informent l'opinion qu'ils ont procédé aujourd'hui à la dénonciation de deux conventions. La convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproques en matière d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les successions, des droits d'enregistrement et des droits de timbre du 22 septembre 1972. 2. La convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali tendant à éliminer les double imposition et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale. En effet, la conclusion et la signature du traité bilatéral entre les États visent à renforcer la coopération internationale et les liens d'amitié. Or, l'attitude hostile persistante de la France contre nos États contrevient à cette raison, ajoutée au caractère déséquilibré de ces conventions, causant un manque à gagner considérable pour le Mali et le Niger. Par conséquent, sur la base des dispositions pertinentes de la Convention de Vienne sur les droits des traités de 1969, notamment celles relatives à la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, la surveillance d'une situation rendant l'exécution du traité impossible et les changements fondamentaux des circonstances, le gouvernement de la transition de la République du Mali et le gouvernement de la transition de la République du Niger ont décidé de mettre fin dans un délai de 3 mois aux conventions précité afin de préserver les intérêts supérieurs des peuples maliens et nigériens conformément à la vision de leur excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, et du général Abdramane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger. Que Dieu bénisse l'Alliance des États du Sahel, fait à Bamako et à Niamey le 5 décembre 2023. Voilà, vous venez de suivre à l'instant le communiqué conjoint du Mali et du Niger. Il est relatif à la dénonciation de deux conventions qui les lient à la France, communiqué lui ici par Seydou Fomba. Sur un autre registre à présent, fin hier de la 2e session ordinaire du Haut Conseil des collectivités au titre de l'année 2023, il s'agissait à travers cette plénière d'adopter les projets de texte envoyés par le gouvernement pour avis. Ainsi, en clôture de session, 3 projets de texte étaient devant les conseillers nationaux du Haut Conseil des collectivités pour adoption. Le point avec Alidou Matina.
Débutée le 6 novembre dernier, la deuxième session ordinaire du Haut Conseil des collectivités au titre de l'année 2023 s'est achevée par l'adoption des résolutions et recommandations issues de l'examen des dossiers envoyés par le gouvernement pour avis. Le Haut Conseil des collectivités avait reçu du gouvernement 8 dossiers pour avis. Les conseillers nationaux ont examiné 3 projets de texte, à commencer par le projet de document de politique nationale de sécurité et de santé au travail. Après le rapport de la commission éducation, santé, affaires sociales, culturelles et de la communication, les conseillers nationaux ont adopté à l'unanimité le projet de document. Lassine Koulibaly, président de la commission. Cette loi est une loi plus qu'importante parce que le travailleur, quel qu'il soit du public, qu'il soit du privé, qu'il soit de l'économie informelle, un jour il va être confronté à des problèmes de santé ou même d'accident. Et en ce moment, s'il y a une loi qui puisse le protéger, moi je pense que cette loi est la bienvenue. Ça passe également avec la commission des lois, des affaires administratives et de la décentralisation, les projets de texte relatifs à la création, à l'organisation, aux modalités de fonctionnement et au cadre organique du centre de gestion de l'information forestière. Mahamadou Dindira Maïga, président de la commission. C'était assuré par une cellule qui avait beaucoup de contraintes financières, surtout qu'elle était liée au financement extérieur. Aujourd'hui, l'érection de ce service transcendant rattaché permettra d'avoir beaucoup plus de ressources et à l'État de mettre plus de moyens pour avoir une meilleure autonomie financière. Concernant le dernier projet de texte, il est relatif à la stratégie nationale de mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine au Mali. Après examen du rapport de la Commission des finances et des affaires économiques de l'institution, les conseillers nationaux du Haut Conseil des collectivités rejettent le texte qui n'a pas été adopté au motif suivant. Abdoulaye Diakité, président de la commission. Ça a été rejeté parce que réellement les opérateurs économiques maliens n'ont pas été concertés ni de loin ni de près par rapport au projet. Or, c'est un projet international qui doit concerner toute l'Afrique. Donc, si réellement le département de l'industrie se permet d'aller représenter tout le Mali avec un avis réellement qui ne nous honore pas. Donc les opérateurs, on les a écoutés tous et ils ont dit qu'ils n'ont pas été associés. Donc pour ce fait, réellement, ils préfèrent que le Haut Conseil quand même les appuie pour qu'ils puissent être présents, en tout cas dans un autre atelier pour l'élaboration du projet. Signalons que la plénière regroupe non seulement les conseillers nationaux venus de l'intérieur du pays et du district de Bamako, mais aussi les cadres du Haut Conseil des collectivités. Je vous le disais en titre, plus de 117 milliards de francs CFA, c'est le montant octroyé par le Fonds mondial au Mali pour lutter contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme et la mise en place du système résistant pour la santé pour la période 2023-2025. L'annonce a été faite hier à l'ouverture de l'atelier de planification opérationnelle des activités sur le manuel harmonisé de gestion avec les partenaires. Le point avec Maïmouna Doumbia. Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme accorde une nouvelle subvention au Mali pour les 3 années. Cela pour renforcer le système de santé de notre pays. Le présent atelier est organisé pour informer toutes les parties prenantes en prélude au démarrage du processus prévu en janvier 2024. Il s'agit aussi de procéder à la planification de chaque région afin de faciliter la mise en œuvre de cette subvention. Madame Kirova, Fonds mondial. Le Fonds mondial a alloué plus que 180 millions d'euros pour la période 2023-2025. Et aujourd'hui, on a l'opportunité de joindre un atelier de planification et de lancement des activités pour le cycle 7. Au cours de cette formation, les participants vont échanger sur les attentes et les procédures des partenaires, entre autres, la prise en charge directe des malades et la satisfaction des besoins des structures bénéficiaires. La tenue de cet atelier prouve qu'il y a une bonne coordination entre le Fonds mondial et le Mali, selon Mme Sonia Floris, Fonds mondial. Les grands résultats attendus, c'est la décentralisation de la prise en charge des patients qui souffrent de la tuberculose et du VIH. Donc une mise en œuvre beaucoup plus près et donc vraiment au niveau décentralisé. On finance la rénovation des CESCOM par exemple, le fait que les CESCOM puissent avoir accès à l'eau, l'électricité, avoir des services de maternité adéquates. Pour mieux utiliser la subvention,
convention 2023-2026, les décideurs ont opté pour une politique qui permet la régionalisation de ces financements pour atteindre les populations cibles. Abdoulaye Guindo, secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social. Ce financement va nous permettre de renforcer la lutte contre les maladies en général et contre particulièrement ces maladies, puisque c'est un engagement. Il y a des maladies, bien entendu, là-dedans où nous voulons les éliminer pendant une période bien donnée, et des maladies là-dedans que nous voulons contrôler en tant que telles. Et cela va nous permettre, encore une fois, de renforcer vraiment les différentes stratégies aujourd'hui novatrices et pour mieux utiliser ces ressources de façon optimum. Cet atelier regroupe pendant 5 jours 116 médecins, agents de santé et gestionnaires des structures de lutte contre le sida. Un mot de solidarité dans cette édition pour évoquer les œuvres sociales du président de la transition. Les personnes à mobilité difficile sont bénéficiaires des œuvres sociales du président de la transition à Kati. Le don comprend 20 motos tricycles, 20 kits alimentaires composés de riz, de mil, d'huile alimentaire et d'équipements de transformation agroalimentaire. À l'occasion, 20 personnes atteintes d'albinisme ont reçu chacune des verres correcteurs. La cérémonie était présidée par le conseiller spécial du président de la transition, Ba Traoré. La solidarité du président de la transition envers les personnes à mobilité difficile de Kati, et cela dans la mouvance de la Journée internationale des personnes vivant avec handicap. La donation comprend 20 motos tricycles, 20 kits alimentaires composés de riz, des milles d'huile alimentaire. Le lot est renforcé par deux plateformes de transformation agroalimentaire. Aguibou Koulibaly, conseiller spécial du président de la transition. Le président de la transition a voulu rendre heureux ces personnes vivant avec handicap à travers ses œuvres sociales pour venir les offrir des motos, des kits alimentaires. La population malienne en général et les personnes vivant avec handicap en particulier ne seront jamais oubliées par le président de la transition. À Kati, la particularité des œuvres sociales, c'est la remise de verres correcteurs à 20 personnes atteintes d'albinisme. Kadiatou Koulibaly, bénéficiaire. Un grand merci à la transition. Merci, je suis contente. Lassine Sangaré, bénéficiaire. J'avais écrit à monsieur le président de la transition pour solliciter une moto tricycle. Je ne savais pas qu'il allait répondre à ma requête. Voilà qui est fait. Je suis comblé. Je remercie le président et tous ses collaborateurs. J'ai pris pour le Mali, vive la transition. Le préfet du cercle salue l'initiative et demande aux bénéficiaires de faire bon usage des dons. Aruna Diara. Cette action du président de la transition doit nous servir à développer des stratégies pour assurer l'émancipation des personnes en situation de handicap. C'est pour vous dire qu'au-delà des dotations ponctuelles, c'est toute la société entière qu'il s'agit de sensibiliser afin que chacun puisse être acteur d'une solidarité nationale envers nos frères et sœurs pour qu'ils puissent retrouver et conserver leur mobilité. Les bénéficiaires du jour disent se battre depuis près de 20 ans pour avoir un siège, quoique disposant d'intérêt à usage pour cela. La doléance sera transmise à qui de droit a répondu le conseiller spécial du président de la transition. Un mot de l'actualité à l'étranger, guerre Israël-Hamas, l'armée israélienne annonce encercler Khan Younes, où se déroulent de violents combats. Des sources de Hamas et du djihad islamique palestinien disent que leurs combattants mènent de violents affrontements contre les troupes israéliennes dans le but de les empêcher d'entrer dans Khan Younes et les secteurs situés à l'est de la ville, ainsi que dans les camps de réfugiés à proximité. Pérou, l'ancien président Alberto Fujimori va être libéré de prison. La Cour constitutionnelle a ordonné la libération immédiate de l'ex-chef de l'État, âgé de 85 ans, qui purge depuis 2009 une peine de 25 ans de prison pour crimes contre l'humanité. Fujimori dirigea le pays de 1990 à 2000 avant d'être condamné en 2009 à une peine de 25 ans de prison pour crimes contre l'humanité. Il avait été jugé coupable de la mort de 25 personnes dans deux massacres perpétrés par un commando de l'armée dans le cadre de ce qui avait été appelé la guerre contre le terrorisme en 1980-2000. L'année 2023 n'est pas encore terminée, mais selon le service européen Copernicus,
Elle sera la plus chaude de l'histoire après une chaleur inédite au mois de novembre, devenue le sixième mois d'affilée, à battre des records de température. Avec une moyenne de 14,22 degrés Celsius à la surface du globe, le mois écoulé dépasse le record précédent de novembre 2020 de 0,32 degrés Celsius. Le mois de novembre 2023 est par ailleurs 1,75 degrés Celsius plus chaud que la moyenne d'un mois de novembre pour la période de 1850-1900 qui correspond à l'ère pré-industrielle. Cela montre à quel point le monde est inconfortablement proche de 1,5 degrés Celsius au-dessus des températures de l'ère pré-industrielle pendant une seule année. La page sport dans un instant. Une page des sports animée traditionnellement les mercredis par Aridjou Matina. Bonjour Aridjou Matina. Bonjour Omar Moussa. Alors, football féminin, les Aigles d'Âmes se sont qualifiées hier pour la CAN au Maroc en 2024. Oui, l'équipe nationale féminine du Mali sera en 2024 au Maroc, la phase finale de la Coupe d'Afrique féminine. Déjà large vainqueur 7-2 à Bamako il y a quelques jours, au compte du dernier tour des qualifications, les Aigles d'Âmes se sont encore imposés face à la Guinée 3-0 dans un match délocalisé à Mbour au Sénégal. À la demande de la partie guinéenne, les trois buts de l'équipe nationale féminine ont été marqués par Fatoumata Diarra à la 41e minute, Oumoukone à la 57e et Agesha Diarra, l'attaquante vedette des Aigles d'Âmes, dans les arrêts du jeu. Après un petit passage à vide, la sélection féminine sera ainsi au rendez-vous de la CAN féminine au Maroc. Félicitations donc à nos braves dames. Les autres rencontres hier et retour se sont également jouées et du coup, on connaît tous les qualifiés. Oui, les autres matchs de ce dernier tour de qualification ont livré leur secret, levant ainsi le voile sur les 12 nations qualifiées pour la 15e édition de la CAN féminine en 2024 au Maroc. Le Maroc, pays organisateur, était qualifié d'office. Les 11 autres pays sont le Mali, l'Afrique du Sud, l'Algérie, la RD et Congo, le Botswana, la Tanzanie, le Ghana, la Tunisie, le Sénégal, la Zambie et le Nigeria. Allez, dis-moi, nous allons terminer par le championnat national de première division. La 7e journée se poursuit aujourd'hui. Trois oppositions se jouent cet après à midi à 16h sur le terrain du Djouliba Athletic Club. L'USA Bougouni sera face aux 11 créateurs de Niarela sur le terrain du Stade Malien de Bamako. L'USFAS affronte USA Bougouba et au terrain de l'ASB, l'association sportive de Kourofina ESCO jouera contre l'USC Kita. Le match Binga FC Stade Malien de Bamako est reporté à une date ultérieure. Cela en raison de la rencontre du Stade Malien de Bamako ce dimanche en Afrique du Sud, au compte de la troisième journée des matchs de poule de la Coupe de la Confédération. Les Blancs de Bamako s'envolent d'ailleurs ce mercredi pour l'Afrique du Sud. Déjà hier, quatre rencontres ont été jouées au compte de la septième journée. L'AS Police a battu 1-0 Black Star de Badela Bougouf. Le leader L'AS Real de Bamako a fait match nul 0-0 avec Afrique Football Elite AFE. À Ségou, L'AS Bakaridjan s'est incliné 3-2 devant le club olympique de Bamako. Et ouf de soulagement pour le Djouliba Athletic Club après sa défaite lors de la cinquième journée contre les 11 créateurs de Niarela. Hier, le Djouliba s'est imposé 1-0 face à ATS de Kourou. Merci beaucoup, Aridjou Matina. Chronique de l'environnement. La gestion des déchets plastiques est une question importante qui interpelle tous les Maliens, dans la mesure où notre cadre de vie est envahi par ces derniers. En visitant la capitale, on est tout de suite impressionné par les dépôts anarchiques et l'incivisme qui n'ont d'autres conséquences que de salir notre cadre de vie et causer des inondations par endroits. Quel est l'impact des déchets plastiques sur la santé et l'environnement? Élément de réponse dans la chronique de l'environnement en rediffusion avec Aguibou Koulibaly. Les déchets plastiques constituent un vrai problème de développement et de gestion de notre environnement. Presque toutes les localités, villes, villages de notre pays sont envahis par des emballages et des sachets en plastique abandonnés dans la nature après usage par les populations. C'est pourquoi ils sont devenus une menace omniprésente pour la santé publique, les moyens de subsistance et l'environnement. Diallo Oumou Modibo Keïta, directrice exécutive de Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Un plastique
plastique, c'est un élément qui est non biodégradable, dont la durée de vie est assez longue concernant sa dégradation en cas d'exposition ou en cas de relation avec la terre. L'impact des sachets plastiques se manifeste en milieu rural par la dégradation des terres de culture. Leur consommation constitue un danger pour le cheptel. Oumar Lamine Diaby, fondateur et gérant du centre de recyclage et de transformation des déchets plastiques. Et ça impacte sur les animaux parce que quand ça se décompose en particules, les animaux les mangent. Et ce qui fait que en fait ça crée pas mal de problèmes au niveau du santé. Comme c'est du pétrole, le plastique est vraiment très très nocif pour la santé de l'homme. Des acteurs y ont trouvé une opportunité. Ils transforment ces déchets en objets utilitaires. Lamine Dambélé, PDG de MacroWest. Pour trouver des solutions au plastique d'abord, il faut être sûr que vous avez un réseau qui peut collecter les plastiques. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont ouvert leurs portes pour les PET, les H2PE, les PPE, toutes sortes de plastiques qui sont réutilisés ici au Bamako pour faire des chaussures, pour faire des sauts. Pour que ces solutions peuvent être durables, il faut que l'État intervienne. Parce que si ces entreprises préparent ces pavés, personne ne les achète. Les déchets plastiques ne se dégradent pas aussitôt. Ils restent pour longtemps. Les estimations sur la durée de vie du plastique vont de 450 ans à l'infini. À défaut donc de pouvoir arrêter leur fabrication et leur utilisation, il est nécessaire de multiplier les efforts pour les rendre utiles en les recyclant. Les secteurs publics et privés doivent travailler de concert pour la gestion des déchets plastiques. Voilà, à cette heure passée de 21 minutes, à Kidal se referme cette édition. La coordination éditoriale a été assurée par Bourama Traoré. À la mise en œuvre, il y avait Mamadou Boubacar Diallo. Merci d'avoir été de notre prochain rendez-vous des infos. 13h, vous retrouverez Tenema Monikata. Mais d'ici là, je vous propose de suivre tout à l'heure la page météo avec Djenemba Doumbia. Les avis et communiqués avec Doudou Demili. Retrouvez cette édition sur www.ortm.ml. Et sur l'ensemble de nos plateformes digitales, la mise en ligne de la présente a été assurée par Chakomar Traoré. Excellente suite de programme sur l'ORTM. Le temps sur les ondes. Le temps sur les ondes, la météo est avec vous.